Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Pour des raisons professionnelles, en fait, j'ai nettement ralenti. Quand je reçois quelque chose ou quand on me propose de tester quelque chose qui, à mon sens, en vaut vraiment la peine, je me lance. Et là encore, c'est pour Current Body Skin que je voulais faire le test. Pourquoi? Parce que Current Body a lancé son propre épilateur laser. Et bien écoutez, le voici. Donc j'adore, hein, j'aime bien son look. Soit ça fait sèche-cheveux, soit ça fait pistolet. Enfin bon, quoi qu'il en soit, le look est sympa. Et surtout, non, surtout blague à part, ce que je voulais vous montrer, ce qui à mon sens est vraiment intéressant, c'est sa rapidité d'action. Vous connaissez en fait le système de la lumière pulsée ou du laser. Donc vous allez conduire quelque chose qui va venir brûler la racine du poil via la mélanine du poil. Ce qui vous explique que donc ce soit possible. Alors là, j'insiste bien, donc sur les poils bruns, mais ni blond ni roux. Si vous avez les poils vraiment roux, ça ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas la mélanine foncée qui va pouvoir conduire l'énergie jusqu'à la racine. De la même façon, pour les types de peau possibles, ça va jusqu'à une peau assez foncée, mais ça ne va pas ni aux peaux qui sont marron, ni aux marrons tellement foncé enfin noir, vraiment les peaux noires. Là, on rigole pas avec ça, c'est-à-dire que c'est pas allez, tant pis, c'est pas grave, j'essaye, on verra bien, peut-être ça marchera quand même. Non, c'est pas peut-être ça marchera quand même, c'est sûrement ça vous brûlera parce que la mélanine qui captera donc l'énergie, ça sera celle de la peau. Et ça descendra dans la peau. C'est la peau que ça va brûler et pas la racine du poil. Donc ça, on ne s'amuse pas avec ça. C'est vraiment la précaution. Donc, ensuite, évidemment, on vous prévient de toutes les autres contre-indications. Si on est enceinte, si on a un certain nombre de maladies de peau, tout ce qui pourrait être qui fragilise, par exemple le diabète ou des choses comme ça, faites attention et vous demandez toujours, quoi qu'il en soit, demandez avant un avis médical. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on a pris toutes les précautions d'usage et que je suis là aussi pour vous rappeler que je ne suis pas médecin, que donc je ne donne pas d'avis, je ne suis pas médecin esthétique, donc vous renvoie vers un médecin pour tout ce qui est sécurité et après moi je peux vous parler de l'aspect expérience utilisatrice. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que c'est une technologie dont l'efficacité n'est plus à prouver. C'est-à-dire que moi, sur la demi-jambe, par exemple, je n'ai plus rien, hein, depuis bien longtemps, puisque j'avais déjà utilisé cette technologie. Les trois poils que j'avais d'origine sous les aisselles, j'avais pas grand-chose, hein, mais bon, ils n'existent plus. Et le maillot, pareil. D'accord? Donc bon, je n'ai plus grand-chose à épiler. Donc ces technologies sont très efficaces. Ça, il n'y a rien à redire. En revanche, ce qui se passe, c'est que pour le premier appareil que j'ai acheté il y a longtemps, bien longtemps de ça, il y a 20 ans, c'était très long. On appliquait la fenêtre. Il fallait bien la presser sur la peau jusqu'à ce qu'on voit qu'on avait le signal lumineux qui apparaissait. Quand c'était bien pressé, on appuyait et sur la fraction de la toute petite fenêtre, ça envoyait un flash et ça rechargeait et ainsi de suite. Et donc vous imaginez par tout petit rectangle comme ça, il fallait faire. Donc c'est pour ça que voilà, on faisait le maillot une saison. Et puis on se calmait, hein, puis on faisait la demi-jambe la saison d'après parce que sinon ça faisait un peu longuet. Donc l'intérêt, c'est d'avoir
un appareil qui aille très vite. Et c'est le cas de celui-ci et c'est pour cela que je voulais vous le présenter. Alors, qu'est-ce que je peux reprocher à cet appareil ? En soi, rien. En revanche, j'ai eu du mal à l'utiliser parce que je trouve que son mode d'emploi n'est pas extrêmement clair, si je peux me permettre. Donc, je vais vous montrer son utilisation. Comme ça, vous allez voir, et surtout, vous allez voir sa rapidité d'action. Comme ça, ça vous donnera une bonne idée de la vitesse à laquelle vous pouvez faire, non pas une zone, encore que si vous voulez faire qu'une zone, vous avez le droit, hein, mais même le corps entier. Alors, première chose qu'on fait, c'est qu'on commence par raser. Alors bon, là, j'étais en train de traiter le bras, donc bah, je vais re-raser le bras. J'ai plus grand chose en fait, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais emprunter des poils la prochaine fois, je pense. Je vais emprunter, je ne sais pas sur qui je vais faire ça. Il faut que je trouve des poils, si vous avez des poils à me prêter. Donc, ici se trouve le témoin, le voyant, pour allumer l'appareil. Donc, vous remarquerez que vous n'avez pas besoin, donc ici vous voyez là, là il est en train d'indiquer que ça marche, donc vous n'avez pas besoin de lunettes, d'accord? Et vous appuyez comme ça et voyez que de bleu ça devient blanc. Ça veut dire que mon type de peau est compatible. Donc, je vais appuyer ensuite deux fois sur le bouton d'alimentation pour déverrouiller le laser. Et auparavant, donc, je vais d'abord régler là, ici, à pleine puissance. Et j'appuie deux fois. Et ici, ça clignote. Et c'est prêt. Voilà, et maintenant j'éteins. Donc ça y est, ce que vous venez de voir, c'est le traitement d'épilation d'un bras. Alors, je n'ai pas de très très gros bras, il faut reconnaître, mais quand même, vous avez vu la rapidité de la chose. C'est-à-dire que, je ne sais pas combien de temps j'ai mis. J'ai dû mettre quoi? Une minute? Je n'ai pas regardé le chrono. Donc mettons pour les deux bras, je mets 2 minutes. Si je rajoute le maillot, 2 minutes. Allez, si je mets les jambes entières, admettons que je prenne une dizaine de minutes pour tout faire, peut-être. Donc en tout, ça veut dire que vous pouvez faire une épilation de tout le corps en une 20aine de minutes, voire un quart d'heure, si vous ne traînez pas trop. Donc franchement, cet appareil, pour ça, il est top. Par rapport à d'autres que j'ai pu vous présenter qui étaient très efficaces, hein, c'est pas le problème. Là, on a toujours une même efficacité. Donc ça, je vous laisserai aller voir les caractéristiques techniques de l'appareil si vous voulez en savoir plus dessus. Mais moi, très sincèrement, c'est pas ça qui m'a bluffé, au sens où maintenant, les appareils sont performants. C'est pas le problème même. Bon, ils peuvent l'être plus ou moins, mais enfin, ils le sont. La technologie, elle est au point. En revanche, même celui que je vous avais présenté un petit peu auparavant, il y a un an, 2 ans, quelque chose comme ça, il n'allait en aucun cas aussi vite. Là, ça va, mais à une vitesse phénoménale. Donc, ça veut dire que ça va vous garantir une rapidité de traitement, mais du coup aussi, vous allez être plus constant dans le traitement, parce que vous n'allez pas vous dire « Oh non, troll !» Comme dirait Florence Foresti, flemme. Non, vous n'allez pas avoir la flemme parce que ça va tellement vite. Donc en fait, du coup, voilà, ça y est, c'est fait. Vous traitez la zone que vous avez à traiter et c'est bon. Et vous êtes tranquille pour tout le temps. Donc franchement, ça, c'est vraiment un super appareil. Je suis vraiment contente de pouvoir vous le présenter
parce que ça fait vraiment que vous allez gagner du temps, énormément de temps. Ensuite, vous allez vraiment, pour le coup, même si c'est un investissement, gagner de l'argent. Peut-être que Current Body ne sera pas content que je dise ça, mais je vous rappelle que vous pouvez très bien, je ne vous dis pas de l'acheter en commun avec des gens que vous ne connaissez pas trop, parce que vous ne savez pas l'hygiène, il faut que l'hygiène soit parfaite. Hein, vous n'allez pas appliquer quelque chose sur votre peau quand vous n'êtes pas certain de l'hygiène de la personne qui l'aura utilisé. Mais admettons, vous avez une sœur, vous avez une fille, vous avez, vous pouvez très bien vous le prêter cet appareil. Et ça va diviser le prix nécessairement par deux, fatalement. Et en fait, vous n'en avez pas besoin tous les jours. Enfin, donc, vous pouvez vraiment vous le prêter comme ça et bénéficier d'une épilation qui ensuite, après, sera... c'est quasi définitif. Donc, vous pouvez très bien vous le prêter comme ça et ça rentabilise vraiment le prix de l'appareil. Donc, je vous dis peut-être que Current Body ne sera pas content parce qu'il voudrait peut-être que chacun achète l'appareil. Mais si vous trouvez l'investissement cher au départ... mettez-vous à deux, avec votre sœur, avec votre meilleure amie, avec quelqu'un dont vous êtes sûr, et franchement, ça vaut super le coup. Pour le gain de temps que ça vous donne, déjà, pour épiler une zone, ensuite, pour le fait que, comme c'est quasi définitif, après de l'été, vous n'y touchez plus, vous occupez plus de vos poils, pratiquement, pas que de l'été d'ailleurs, c'est plutôt en été qu'on les montre, et ensuite, pas de séance chez esthéticienne, de machin, de trucs et de bidule. Donc, c'est pas que je veux pas que les esthéticiennes vivent, mais autant qu'à faire, autant qu'elles fassent d'autres choses, je sais pas, moi, des massages du visage, enfin des trucs comme ça, plus agréables que les épilations qui sont pas très sympas à vivre. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite démo vous aura plu et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques.